Yo tout le monde, c'est Amalafarge Pokémon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, là complètement improvisée. Alors vidéo un peu spéciale unboxing, parce qu'en fait j'ai reçu un tout nouveau jeu, ainsi qu'un tout nouveau t-shirt magnifique, hein, ce loup qui fait très peur. Alors vous allez voir, déjà c'est incroyable ce que vous pouvez voir ici. Bah c'est mes tongs, ça c'est incroyable, vraiment vraiment ouf, hein, complètement fou. Pouce bleu si vous avez des tongs. Mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est cette superbe boîte qui m'a été livrée. Directement du Japon du Nord, donc on peut la voir correctement ici. Alors surtout ne faites pas attention au fait que ça soit écrit. Attendez, 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 parce que là c'est fantastique. On va poser tout ça ici, parce que sinon j'ai pas assez de mains. Cette incroyable boîte, ouais. Alors ne faites surtout pas attention au fait que ça soit écrit Converse dessus. Hein, je crois que Chronopost s'est un peu trompé. Alors on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dedans. Ça m'a l'air absolument incroyable. Pouce bleu si vous aussi vous êtes incroyable. Alors direct, ce qu'on peut retrouver ici, c'est oh là là, oh là là, la pression, je vous jure, c'est un truc de malade. Bon, je sais pas comment, on va essayer d'y aller doucement, hein. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors apparemment il y a une boîte, ok, qui est emballée. Ok, c'est écrit Mario Kart dessus, mais je sais pas si vous voyez, hein, parce que enfin, c'est plutôt une bonne qualité, hein, pour le coup. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, tu vois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, oh putain, oh putain, oh là là, oh c'est un truc de malade, oh mon dieu, oh là, j'attendais ça depuis des années, oh c'était, oh mon dieu, oh mais, oh, je sais pas comment on veut remercier les amis, c'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment un truc de malade, je sais pas comment dire ça. Banjo-Kazooie, développé par Rareware, vraiment, c'est vraiment un truc de ouf. Bah on va tester ça tout de suite. Hein. On se retrouve directement. Alors je branche le jeu. Hop. Et on verra. Attendez, il faut évidemment changer le layout. Ma caméra est complètement niquée. Ok, je branche le jeu. On voit si ça marche. Ok, ça a l'air de marcher. Oh là là, ça a l'air incroyable. Sinon, bonjour tout le monde.